Good morgen, allez, Iden, les juges aujourd'hui, le Nishmat Avram Chayen, Orbe Avram Fortuné, Mazal, Idé Dabat Esther et Solvanish Lebet Delmar. Si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Misha, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions la Sechet Kirtout, Perigbet Mishnah Alef, Arbaa, Mechusre Kippurim, Varbaa, Mevin, Alazadon, Kishgaga. Ve Elohen, Mechusre Kippurim, Hazav, Ve Hazav, Ava, Yoledet, Ve Metzora. Rabbi Elazar ben Yaakov Omer, Ger Mechusar Kapara, Ad Sheizarek Alav Adam. Ve Nazir Le Yeno, Ve Tiglachto, Ve Tum Ato. Pour rappel, dans ma Sechet Kirtout, la singularité de Kirtout, c'est de m'apprendre essentiellement toute personne qui doit apporter des korbanot selon les conditions. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, on est dans le Seder Kotchim depuis un bout de temps, Baruch HaShem, Zewachim, Menachot, Khulin, c'est un petit peu autre chose. Mais après, on a vu encore Prorot, Tmura, Erchin, Erchin Tmura. Et à chaque fois, on parlait essentiellement de comment faire un korban, comment asperger le sang, toutes sortes de... On est plus concentré sur le rituel, sur la manière de sanctifier les détails de la gdusha des korbanot. Dans ma Sechet Kirtout, on va plus s'intéresser à... On s'intéresse surtout à ceux qui doivent apporter des korbanot. Quelles sont les conditions requises, en quelle situation, quel type de choses. D'accord? Du coup, on a déjà évoqué plusieurs dans la Mishnah, dans le Perek Aleph. Maintenant, on continue dans le Perek Bet, en abordant à présent des personnes qui doivent apporter un korban khatat. Mais un khatat original, on va dire comme ça. C'est-à-dire, un korban khatat en général, on l'apporte parce qu'on a transgressé une avéra, que l'on est passible, que si on transgressait consciemment, on était passible d'un korban khiouf karet, puisque tu étais de shogeg, alors tu dois apporter un korban khatat, qu'un classique Shabbat. On a transgressé Shabbat, Shabbat normal, on est khayav karet, même ce qu'il a. Si on a fait le shogeg, on s'est levé la nuit, on était dans la lune, on n'a pas fait attention, on a réchauffé un biberon du bébé, et puis après on a dit que c'était Shabbat, on a allumé la lumière sans faire exprès. Ou bien... Eh bien, toutes sortes de transgressions de Shabbat, donc en oubliant, on est passible d'apporter un korban khatat. Parce qu'on a transgressé une faute sur laquelle on est passible de karet lorsque l'on fait avec préméditation. Donc inconsciemment, on est passible de khatat. Il y a à cela 8 exceptions, 2 groupes de 4. C'est ce qu'on commence dans notre Mishnah. 4 personnes qui doivent apporter un korban khatat qui a aucun. Qui n'a pas de rapport avec une faute. On ne va pas dire aucun rapport, parce que quand même. Des drachotes qui expliquent qu'il y a un petit rapport avec des fautes, mais en tout cas, 4 personnes qui doivent apporter un korban, mais non pas parce qu'ils ont transgressé une faute, mais parce qu'ils sont mechusre kapara. Ils manquent d'apporter une kapara, une expiation quelque part, pour finir leur purification. En fait, on va parler de 4 personnes qui doivent se purifier, qui se sont purifiées, et pour compléter leur purification, ils doivent apporter un korban à un certain moment. Comme ce qu'on avait évoqué dans la mission précédente déjà, on va revoir qu'ils sont déjà là, et qu'ils sont là de nouveau, la Yoledet et la Zava, comme ce qu'on va expliquer dans quelques secondes. Et il y a encore une deuxième série d'exceptions à la règle, qui sont des personnes qui doivent apporter un korban khatat, même lorsqu'ils transgressent une faute bémézide, consciemment. Quelque chose d'extraordinaire, parce que normalement, celui qui transgresse consciemment, eh bien il est passible de mort, au pire, passible de se faire frapper, malkout. Mais sûrement pas d'apporter un korban. Un korban, c'est alors qu'on n'a pas fait exprès. Eh bien, il y a 4 exceptions à la règle pour le korban khatat qu'on va découvrir dans la Mishnah Bet cette fois-ci. La Mishnah introduit les 2 phrases. Arba'a mechusre kippurim, ve arba'a mevin alazadon kishgaga. Il y a 4 personnes qui doivent apporter un korban khatat, mais en guise de fin de purification, on va le dire comme ça. Et 4 qui doivent apporter un korban, même sur le zadon kishgaga, sur le fait qu'ils étaient avec préméditation. Comme celui qui a fait par inadvertance. D'accord? Et on commence avec la première série. Elohen Mechusre Kippurim. Tels sont ceux que l'on considère comme Mechusar Kippurim. C'est dur à traduire Mechusar Kippurim. Kippurim, Kapara, comme Yom Kippur, c'est le jour de l'expiation. Yom Kippur. Mechusar Kapara, c'est celui qui manque une expiation. Mais ce n'est pas une expiation à cause d'une faute. C'est utilisé dans la Mishnah et dans la Gemara. Pour expliquer une personne, pour désigner une personne qui doit se purifier, comme ce qu'on a dit. Et que la fin de cette purification, elle doit être en apportant une certaine kapara. Ouais, même s'il n'a pas fait de graves fautes, il n'a pas transgressé directement. Et la Mishnah commence à les évoquer. Hazav, va'azava, va'yoledet, va'metzora. 4 types de personnes. Le zav et la zava. Ce sont 2 sortes d'impuretés, une pour l'homme et une pour la femme. Pour la femme, on l'a déjà évoqué dans la Mishnah précédente. On parle d'une femme qui va avoir du sang qui va s'écouler, mais pas à la période où elle était censée être Nida. La femme, elle a un cycle. Elle voit tous les 30 jours, en général, mais jusqu'à tous les 18 jours.
Ouais, tant qu'elle voit encore, tous les 18 jours, elle voit une nouvelle vue. Alors elle est Nida. Mais si elle voit à moins que ça, c'est-à-dire elle a vu du sang, et puis après 10 jours, elle recommence à revoir du sang, le deuxième sang qu'elle voit, il n'y a pas eu de cycle. Donc qu'est-ce que c'est? Ça devient une Toumat Ziva. Comme ce qu'on a expliqué dans la mishnah précédente, si elle a vu 3 jours d'affilée, elle est devenue Zavak Dola, c'est tout un cassement de tête. Comment gérer ça? Suite à ça, d'ailleurs, on fait toujours attention, on se considère avec toute femme qui va avoir du sang à notre époque, on va considérer qu'elle est en fait Zava. On va lui dire de patienter 5 jours ou 4 jours. Et après de faire son Hefsek Tahara, de faire des vérifications pendant 7 jours d'affilée, et seulement après de se tromper, parce que dans le doute, on va dire peut-être qu'elle était dans la période de la Zava. Ça démarre, c'est la cause essentielle pourquoi aujourd'hui on est Mahmir de la sorte. En tout cas, donc on revient sur le donc sur la Zava, elle devra porter un Korban pour finir sa purification. C'est-à-dire une fois qu'elle va finir ses jours de purification, elle doit se tromper au Mikvé, elle est déjà permise à son mari, mais elle n'a pas le droit de manger les kochim. Elle n'a pas le droit de rentrer au Beth Amikdash, jusqu'à qu'elle apporte un korban. Idem aussi avec la Yoledet, comme on expliquait. Cette fois-ci, si c'est pour un garçon après 7 jours, ou pour une fille après 14 jours, elle se trempe au Mikvé, elle est permise à son mari, mais elle n'a pas le droit de rentrer au Beth Amikdash, elle n'a pas le droit de manger le kochim, jusqu'à que s'écoule pour un garçon 40 jours, donc encore 33 jours supplémentaires, pour une fille 66 jours, donc jusqu'à qu'elle atteigne le 80e jour, et seulement après, elle apportera un korban au Beth Amikdash, et seulement après, elle pourra enfin commencer à manger le korbanot. Ça, on les a déjà appris. Et maintenant, il y en a deux nouveaux qui sont le Zav, donc on l'a expliqué tout de suite. On va expliquer quelques petites nuances avec le Zav, mais d'abord, je continue avec le dernier, Ametsora, le lépreux. Le lépreux, lorsqu'il a été... C'est toute une histoire, comment on devient lépreux. Dans un premier temps, on enferme la personne, on va venir le vérifier, mais à un moment, on va décréter que ça y est, c'est un lépreux qu'il faut éloigner du machané, il va partir complètement à l'extérieur parce que ça fait trop longtemps que ça dure cette histoire, il va partir, elle est devenue un grand lépreux. Pour le jour où sa lèpre va disparaître, elle aura tout un rituel pour le purifier, et ce rituel va se terminer avec des corbanotes à offrir au Beth Amikdash de nouveau. D'accord? Maintenant, question. Regardez que tu m'as parlé de Zav et Zava. Tu as fait une impureté de Zav, quelqu'un qui a eu un écoulement pour un homme, et Zava, un écoulement spécial pour une femme. Il fallait me dire aussi un Metzora, va Metzora at. Il fallait en compter 5 dans ce cas-là. C'est quoi cette histoire? Tu m'apportes une forme d'impureté qui finit sa purification avec un korban, le même korban pour les hommes comme pour les femmes, et tu comptes un pour les hommes et un pour les femmes. Alors pourquoi dans le Metzora tu dis pas la même chose? Et la réponse elle est que, non, Zav et Zava, il est vrai qu'ils aboutissent sur le même korban, mais c'est deux manières complètement différentes, il y a des tas de différences. Pour l'homme qui a juste un épanchement, eh bien c'est une Toumat Kéri, il n'est pas encore Zav. Pour pouvoir devenir Toumat Ziva, c'est, je sais pas, je crois qu'on ne connaît pas aujourd'hui tellement à quoi ça ressemble. C'est une autre forme de fluide qui s'écoule de lui, mais qui n'est pas comme le fluide du... c'est pas comme le liquide de la Toumat Kéri, c'est encore un autre liquide. D'accord? On compare ça à un œuf tourné ou un œuf normal. D'accord? Et en plus de ça, l'homme, s'il a vu même 3 fois dans la même journée, il est devenu Zav. Tandis que la femme, elle doit avoir nécessairement pendant 3 jours d'affilée pour devenir Zava. Donc du coup, on les a comptés en 2. Ok? Le dénominateur commun de tous ces corbanes, de toutes ces personnes, sont qu'ils achèvent leur touma, leur tahara, plutôt leur purification, en apportant des corbanotes. Ils sont donc des mechoussarés qui pourriment. Sur ça, il y a Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer. Eliezer ben Yaakov en ajoute encore un, voire deux même. Le premier, c'est Ger mechoussar kapara ad sheizarek alav adam. Le ger, le converti, il est lui aussi mechoussar kapara, il n'a pas le droit de manger les corbanotes. Ad sheizarek alav adam, jusqu'à que l'on asperge pour lui du sang. C'est-à-dire que on apprend ça du Mamad Har Sinaï. Vous savez que au pied du Sinaï, on a tout le Ham Israël pour pouvoir recevoir la Torah. On a fait un peu un rituel comme un guerre qui se convertit. D'accord? Bon, il y avait le Damrit, on l'avait déjà, mais il a fallu ensuite faire la purification et il a fallu aussi asperger du sang. Du sang avec un korban. Et de là-bas, justement, du Mamad Har Sinaï, c'était Vayasem Baganot, c'était déduit, Vaishlach, Etnare Ben Israël, Vayalo Olot. On apprend là-bas, en tout cas, qu'ils ont apporté des korbanot. Du coup, tout converti qui veut se convertir, finir sa conversion totalement, doit apporter des korbanot. À l'époque où il pouvait apporter des korbanot, il n'avait pas le droit de se marier avec une Bat Israël, tant qu'il n'avait pas encore offert ses korbanot. Sa conversion n'était pas finie, jusqu'à qu'il fasse ses korbanot. D'accord? Donc lui, maintenant, la Mishnah m'enseigne, sache que le converti, Rabbi Eliezer ben Yaakov pense comme ça, c'est une discussion sur quoi discute Rachamim exactement. Selon Rabbi Eliezer ben Yaakov, le converti
n'aura pas le droit de consommer des korbanot tant qu'il n'aura pas apporté ses fameux son korban, apporté au moins un korban hola, même une volaille, comme le partenaire nous le précise, même une hola taof, de rapporter un korban hola, faire un petit sacrifice de quelque chose, même une volaille, et ensuite, seulement ensuite, il sera un juif à part entière, et il pourra ensuite même manger le korbanot. Discussion, je vous ai dit, est-ce que Khamim sont d'accord avec l'Alakha, mais ils ne le considèrent pas malgré tout en tant que Mechusar Kapara, parce qu'ils sont foncièrement en discussion. C'est rapporté un petit peu dans le Barthénora, surtout dans le Tiferet Israël, Melchat Shlomo, ils en parlent un peu tous. Tosotum de Vossil en parle. Et il y a encore un autre cas de figure qui est Venazir, le Yeno, ou Vetiglarto, Vetumato. Le Nazir, on en reparlera encore de nouveau dans la prochaine Mishnah avec un cas particulier du Nazir. Le Nazir, c'est celui qui a pris sur lui de se sanctifier, de ne pas boire de vin, ne pas s'impurifier pour les morts, se laisser pousser les cheveux. Lorsqu'il finit sa nazirut, il doit apporter des korbanot. Tout un rituel de nouveau. Et tant qu'il n'apporte pas ses korbanot, alors certes, il a le droit d'entrer au Beth Amigdash, il n'a aucun problème d'impureté, mais il sera mechoussar kapara, il sera quelqu'un qui n'a pas encore fini son expiation, son devoir, et de ce fait, il devra apporter ses korbanot pour pouvoir le permettre, les yéno, pour boire le vin, vetiglarto, pour qu'il puisse enfin se couper les cheveux, Vetum ato, et pour qu'il puisse devenir impur s'il le veut pour un mort. Pour le moment, il n'y a pas le droit d'entrer au cimetière. D'accord ? Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha Kol Tov. Salam.